Bye.
Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toutes leurs détresses. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Amen. Amen. Je connais ce Dieu puissant qui me toi tu es Seigneur.
bénissons-le, comme notre Seigneur, si nous sommes, nous te disons, gloire à toi, Hosanna, alléluia, tu es digne d'être adoré au Seigneur. Merci vraiment pour la joie, merci vraiment pour la paix, Seigneur, merci vraiment pour la délivrance, pour la délivrance, merci encore pour la grâce de notre Dieu, merci encore pour le salut, Seigneur, tu es vraiment bienveillant pour les frères, merci pour les saints esprit, Seigneur, merci pour ta présence de Dieu, pour tes anges, notre Dieu, Seigneur, tu gardes ce lieu, on ne peut pas dire ça, tu gardes ces anges qui sont à toi, comme nous l'avons entendu aussi, mon Dieu, Seigneur, dans ce que tu es, quand vous voulez, c'est très clair, nous approchons de toi, parce que tu es vraiment notre Dieu, délivre ta vie pour les deux, Seigneur, et fais-le dans les gouttes de ton père, et notre Dieu. Oh,
Ce matin, mon cœur se tourne vers toi. Je te dis encore merci. Merci pour ce que toi tu es venu. Ce que tu as fait, ce que tu fais, ce que tu continues à pouvoir faire et ce que tu feras. Seigneur, au nom de grâce, envoie-moi à Dieu. Que ton nom soit exalté. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te louer, Seigneur? Quand on comprend le louage de ta main, Seigneur, oh Dieu, tu es tellement si glorieux, tu es tellement si merveilleux. Comment un homme qui veut voir cela peut se plaindre, Père? Cet homme ne peut simplement que te louer, Seigneur. Exalter la grandeur de tes œuvres au bénéfice de ta puissance, la grandeur de ton nom et ta puissance, mon Seigneur. Tu as étendu les cieux et la terre. Sois donc béni encore ce matin. Sois glorifié encore pour cet amour que tu cesses de témoigner à votre voix et la grâce de pouvoir nous tenir encore dans ta maison, dans ces lieux de prière, de pouvoir nous sanctifier et nous purifier, Seigneur, et que nos cœurs et nos âmes puissent vraiment se tourner vers toi. Seigneur, que nous soyons conscients de ce que tu fais, Seigneur. Soyons conscients de ta présence glorieuse. Parmi nous encore, mon bénévole, Seigneur, qui opère vraiment des merveilles et des prodiges encore aujourd'hui, Seigneur. Oh, c'est vrai, Père. Tu es vraiment le Dieu très haut. Tu es vraiment le merveilleux. Tu es vraiment le glorieux. Le précieux sois. Sois adoré encore ce matin. Je te glorifie ce matin. Pour mon frère et pour ma soeur, pour chacun de nous, c'est Dieu vraiment merveilleux. Au-dessus de tout le roi, au-dessus du royaume, au-dessus de tout, tu es vraiment le merveilleux. Reçois la gloire, la gloire, la puissance. Nous t'aimons, nous sommes mariés. Nous savons que tu demeures réellement le même Dieu. Pourquoi nous approchons avec assurance, Seigneur. Approchons avec foi encore. Aujourd'hui, ce matin, Seigneur, parce que nous savons que de toi nous viendra la vie, Seigneur. Et de toi nous viendra la délivrance, nous savons. De toi nous viendra la victoire. Nous avons acquis de toi que nous avons que nous possédons, Seigneur. Or nous manifestons cela parce que tu nous l'as donné, Seigneur Jésus. Béni soit ton Seigneur, Père. Fais de nous plus que vainqueur encore ce matin, Seigneur Jésus. Or par la victoire, nous sommes tellement aussi renforcés. Je tiens à tout mon cœur. Je te remercie encore. Ce moment béni, où nos cœurs sont dans la joie, où nos amours, Seigneur, afin que tu sois adoré, Seigneur, tu as une place parmi nous, le témoignage dans le cœur de ma soeur, dans le cœur de mes enfants, je te loue, Père. Les cieux ont tremblé, merci, la terre a tremblé, alléluia, parce que le Fils de Dieu, il a donné sa vie, gloire à toi, pour nous les impies. Oh mon Dieu, que tu sois glorifié, que tu sois loué, que tu sois remercié pour le prix fort, qu'aucun homme ne pouvait payer. Sois adoré, notre Dieu. Alléluia. Merci, merci. Alléluia. Alléluia. Yeah.
Cet amour en reconnaissance de cette œuvre qu'il a conduit pour que nous soyons rachetés et mis à part. Nous le remercions vraiment de ce qu'il ne nous a pas laissé seul. Il avait fait la promesse de pouvoir être avec nous, de nous envoyer le consolateur, l'esprit de vérité, et qui nous conduira dans toute la vérité. Je le remercie vraiment et mon cœur est dans la joie de voir qu'il agit aussi puissamment au travers de nos frères, de nos sœurs et aussi de nos enfants. Hier, j'étais dans la maison de mon frère Mario et ma sœur Maïté, et la joie de pouvoir avoir aussi mon frère Rosario et notre sœur Maria. Nous étions là, et puis après, j'étais dans la pièce à côté, de l'autre côté, j'entendais deux voix qui chantaient. Vous savez, je disais à mon frère et à ma sœur, j'ai dit, ça c'est les jours, un des jours les plus beaux aussi, quand je peux aussi me retrouver quelque part et entendre aussi ce que j'ai entendu. Ces enfants, je crois que c'est Lindsay et Naomi, je suppose que c'est cela. La manière dont ils chantaient les cantiques, j'ai dit, Seigneur, nous avons des dons. Amen. Auxquels parfois nous ne nous rendons pas compte, effectivement. Et quand j'entendais ces enfants, là de l'autre côté, ils vous chantaient les cantiques que vous chantez, mais ils les chantaient en fait par cœur. Amen. Mais là, ce qui est merveilleux, c'est que la grande Lindsay, elle chantait en anglais, mais la petite Naomi, elle prenait la voix comme si quelqu'un qui était à la chorale. Mais elle prenait une deux. Je vous dis, c'est tellement extraordinaire. Et Naomi prenait une voix, la deuxième, avec sa soeur qui montait et puis elle qui descendait. J'ai dit, Seigneur, je suis en train de rêver. Non, frère, Amen. Dieu est en train de faire la veille. Je pense que je les ai demandé de pouvoir venir nous chanter aussi un cantique ensemble. L'occasion va nous être donnée au moment après la réunion, qu'il reste encore un peu, et puis ils pourront nous chanter aussi un cantique que nous pourrons entendre. Je prie que Dieu le bénisse richement. Amen. Quand nous pouvons voir Dieu faire de telles choses au travail de nos enfants, nous lui sommes reconnaissants. Amen. Nous prions pour que Dieu fasse encore davantage. Amen. Et j'ai dit, mais allez voir Anna, comme ça vous serez dans la chorale avec elle. Ah oui, c'est merveilleux. Alors j'ai vu mon frère Michael qui vient, et c'était le jeudi, après la réunion, et tout en larmes aussi tout à l'heure, effectivement, pendant qu'il me parlait. Il me dit, frère, c'est jeudi, aujourd'hui, parce que c'était le jeudi, mais c'était tout à fait extraordinaire. La présence du Seigneur et des Seigneurs était vraiment là. Et puis il me dit, je priais, j'ai ouvert mon cœur devant le Seigneur, et je priais, je soupirais, j'implorais la grâce du Seigneur, Seigneur. Ok, alors j'ai pris tellement dans mon cœur, et puis tellement fort, puis il dit, je sentis une main. Elle est venue, cette main s'est posée sur mon épaule. Et autour de moi, il n'y avait personne, mais la main était toujours là. Et je priais, je sentais que comme elle m'a touché, il y avait quelque chose qui pénétrait dans mon cœur, partout, effectivement. Et c'était la présence du Seigneur. Et notre sœur, ici, Jacqueline, m'a fait part, effectivement, je ne sais pas, c'était jeudi, je pense, oui, qu'elle était malade avec des courbatures, effectivement, je pense qu'elle était de douleur, de ses os, ainsi de suite.
Mais quand on était ici, lorsque le Seigneur est descendu, toute la douleur est partie. Amen. Et il s'est senti aussi bien et aussi guéri par le Seigneur. Amen. Nous remercions notre Dieu. Amen. Et je crois aussi que ceux qui étaient aussi à l'écoute, hein, mon frère Marcel aussi, qui m'a appelé aussi, ils ont eu à pouvoir aussi vivre des moments particuliers. Là où ils étaient aussi à l'écoute de la parole de Dieu. Je lui ai dit, mon frère, vous savez, vous qui êtes en communion avec nous dans différents endroits, qui êtes connectés ici, et quand nous prions que le Seigneur vous donne aussi la même bénédiction qu'à nous. C'est pour ça que quand vous êtes chez vous en connexion, vous recevez aussi, vous ressentez aussi la même présence, comme notre sœur Lily aussi en fait. Même présence, effectivement, parce que nous sommes dans un même esprit. Amen. Nous nous connectons parce que nous croyons à la parole qui nous est donnée. Alléluia. Nous croyons aussi à l'œuvre de Dieu dans ces lieux. Alors nous avons le même esprit. Nous avons le même cœur, effectivement, le même sentiment. Alors nous ne formons seulement qu'un seul corps dans lequel le Seigneur, notre Dieu, agit et il agira certainement. Nous croyons de tout notre cœur que notre Dieu va faire encore davantage. Amen. Comme mon précieux frère Christian vient de chanter, Dieu va faire. Amen. Il le fera. Et j'avais dit aussi que je prie que Dieu accorde la grâce, s'il veut, qu'on puisse avoir le temps pour prier pour le malade. Ce sera son désir. Et moi, je le ferai. Alors, nous prierons pour que Dieu nous aide, pour que nous puissions. Je crois que nous avons tous besoin qu'on prie pour nous. Amen. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui ne voudrait pas qu'on... C'est vrai, peut-être qu'il y en a, je ne sais pas. Mais je crois que tout à chacun de nous, nous avons besoin qu'on prie pour nous. Et je me souviens que quand j'étais en Haïti, d'ailleurs, ils m'ont écrit aujourd'hui, j'ai oublié les transplantations à mon frère, ils veulent que je sois là-bas l'année prochaine. Ils ont déjà prévu effectivement une date parce qu'ils vont inviter encore davantage beaucoup, puisque vous savez qu'il y a une église déjà là-bas. Cette église ne fait que grandir effectivement. Maintenant, bon, c'est dans la région aussi que la parole de Dieu se répand. Beaucoup de pasteurs aussi, les uns les autres appellent, effectivement, parce qu'ils voient l'action de Dieu à ce qu'ils avaient entendu, étant là-bas, puis maintenant ils veulent aussi être en communion avec nous. Et je me souviens que quand j'étais là-bas, et pendant après la prédication, évidemment, et il y avait au moins, je crois, peut-être plus ou moins 3000 âmes. Ils ont tous reçu le Seigneur, et vraiment leur cœur pour être aussi baptisés. Maintenant, il fallait maintenant parce qu'il y avait des malades, mais comme c'était tellement nombreux, je vous l'ai raconté ici, c'était tellement nombreux, et puis bon, vous savez, j'ai prêché pendant un temps, et mon corps était aussi faible, alors j'ai dit, bon, on va prier, effectivement, alors tout le monde voulait que je prie pour eux, il n'y a pas de problème, mais quand vous êtes assis là, je vais prier en général pour tout le monde. Mais personne ne voulait que je prie en général pour tout le monde, chacun voulait que ma main soit posée sur eux. Et c'est comme ça que j'ai dit, je pense qu'il n'y a personne qui peut dire que je n'ai pas besoin d'être prie pour moi. Donc chacun de nous a besoin qu'on puisse prier pour lui. C'est pourquoi nous soupirons que Dieu nous accorde ces temps pour que réellement nous prions pour les malades, parce que nous savons que lorsque nous prions pour les malades, Dieu guérit. Amen. Dieu aussi délivre aussi, accorde aussi cette grâce aussi. C'est vrai que nous voyons comment le Seigneur est en train d'agir dans différents pays où la parole est prêchée. Dans tout ce point, effectivement, ils veulent effectivement aussi que nous continuions à pouvoir aller, je prie, prier pour moi aussi, parce que c'est vrai, nous tendons déjà vers la fin de l'année, et la nouvelle année qui commence, c'est vraiment, je prie que Dieu, je ne sais pas comment les choses seront, parce qu'il y en a tellement beaucoup de pays qui attendent que je puisse aller, puisqu'ils ont déjà écrit, ils ont déjà presque déterminé aussi des dates, effectivement, aussi de période, que ce soit le Pakistan, n'en parlons pas, parce que le Pakistan, c'est les téléphones presque tous les jours. Ils veulent aussi que je retourne là-bas, et comme vous savez, c'était pas facile. Mais Dieu avait fait de merveilles, c'est pour ça qu'ils sont tellement dans cette flamme pour que je retourne. Mais comme vous connaissez aussi l'expérience que j'ai eu là-bas, j'étais recherché pour être arrêté. Donc vous voyez, parfois, c'était au moins le cœur palpite. Mais eux, là-bas, ils ne voient pas ça, et ils voient se faire viens. Et j'ai dit, bon, parce que vous connaissez quand même les tensions qu'il y a maintenant aujourd'hui. Et alors, bon, quand quelqu'un voyage dans cette contrée-là, on commence à scruter un peu dans son pouvoir à peu près. Pourquoi il va là? Parce que vous connaissez ce qui se passe. Mais bon, c'est vrai, quand j'étais là-bas, il n'y avait pas encore comme ça, mais on me cherchait pour m'arrêter. Parce qu'évidemment, ils pensaient que j'étais un espion américain. Il y avait tout un tas de choses qui passaient par l'esprit. J'ai beau leur dire que je ne suis pas américain, je suis bien, je viens de la Belgique et je parle français, mais comme je parlais anglais là-bas. Dis bon, les espions connaissent plusieurs langues.
Ah, comment voulez-vous que je justifie que je ne suis pas un espion? Je dis simplement, Seigneur, viens moi en aide. Mais vous savez, quand ils m'ont voulu, ils m'ont chassé dans le contrée là. Et les frères, comme il y avait beaucoup de monde qui était venu, je vous ai raconté, ils m'ont ramené là-bas pour prêcher la parole de Dieu. Ils m'ont ramené vite, vite. Et Dieu a fait des choses merveilleuses. Et pendant que j'allais monter sur la chaire pour prêcher, il y a quelqu'un qui venait et dit, mais est-ce que vous n'avez pas chez vous ici quelqu'un qui est venu de l'étranger? Il dit, oui, il dit, faites-le partir vite parce que les services sont en train de venir pour pouvoir l'arrêter. C'est comme ça qu'on m'a pris, on m'a caché, évidemment. J'ai eu à pouvoir sauter de cet endroit pour venir. C'est vrai que quand on est dans cette condition-là, vous savez, dans un pays comme celui-là, vous connaissez le Pakistan, il n'y a pas d'Européens qui voyagent vers le Pakistan. Quand même, je suis allé là-bas, notre ambassade là-bas de Belgique me dit, mais il m'a reçu dans son bureau, il dit, mais comment ça fait que tu sois venu? Moi, j'ai dit, mais personne ne vient ici. Il dit, même moi-même, ma famille est restée là-bas. Parce qu'il dit, mais s'il y a un problème qui t'arrive, moi, je ne vais pas t'aider ici. Parce que moi-même, je suis dans le problème. Donc, c'est pour dire que ce ne sont pas les pays plus faciles. Mais gloire à Dieu. Nous allons, même si notre vie en dépend, il n'y a pas de problème. Et nous prions que le Seigneur accorde la grâce pour qu'effectivement que la parole de Dieu soit apportée, pour que les âmes là-bas, nous avons aussi des frères et des sœurs qui sont là-bas de ces côtés-là, de ces contrées, pour qu'ils puissent arriver à pouvoir recevoir là. C'est pour que vous compreniez une chose, frères et sœurs, que le peuple de Dieu n'est pas seulement ce que vous voyez ici, mais les églises sont nombreuses, en fait, qui sont attachées effectivement à nous et qui, ayant vu la main du Seigneur, se sont aussi données à pouvoir aussi recevoir aussi les mêmes prédications que vous avez, les enseignements que vous avez aussi ici, enfin que les différentes églises, tant en Asie, tant aussi en Afrique, dans d'autres pays aussi, puissent arriver à pouvoir entendre, parce qu'ils ont vu, comme nous le voyons aussi, quand nous tenons à sa présence, qu'il descend, il confirme sa parole, et il le fait aussi là-bas aussi, et qu'il a eu à pouvoir le faire, afin que nous soyons aussi fortifiés. Nous devons être conscients, frères et sœurs, que nous sommes dans le temps où Dieu va achever effectivement ce qu'il avait commencé. Alors nous devons être aussi conscients et nous préparer à la rencontre de notre Seigneur. Levons-nous pour prendre dans le livre de 1 Jean. 1er épître de Jean, c'est ça, oui, je pense que non. Chapitre 3. 1er épître de Jean, au chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 1. Que le Seigneur bénisse mon frère Boadi, parce que s'il est là ce matin, je pense qu'il est être là, mon frère Boadi. Est-ce qu'il est là? Oh, que Dieu te bénisse. Voyez-vous, le frère Boadi, il vient d'où? De la Côte d'Ivoire, mais c'est un médecin, mais il est parti donc en Congrès en France. Arrivé en France, il a voulu venir ici pour que nous puissions avoir communion avec lui. Que Dieu te bénisse. Te bénisse richement, mon précieux frère. Je suis très heureux de te voir ce matin. Dans 1 Jean, au chapitre 3, et nous lirons à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Voyez donc quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons, c'est vraiment ça, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Amen. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Amen. Précieux ce bar, Maître béni, nous voulons te dire encore merci. Quelle crainte, quel respect que nous te devons, mon Seigneur Jésus, et surtout quelle reconnaissance au Jésus-Christ, mon Seigneur. Ce que toi tu as fait pour nous, ce que tu es, ce que tu fais, et ce que tu fais de nous encore aujourd'hui, mon Sauveur, je te remercie de tout mon cœur pour ce que tu as fait, ce que tu as fait, Seigneur, et pour bien-aimés frères et sœurs que nous sommes et que nous avons, bien-aimés Père du Sang, en Dieu, appelé aussi au fond de Dieu. Merci encore pour ce temps, merci de l'amour à notre roi. Bien, Père, bien, mon Seigneur, tu as fait la promesse de avec nous. Moi, j'ai le croix de tout mon cœur. Nous pouvons le voir aussi de nos yeux, mon bien-aimé Seigneur, que tu n'as jamais manqué, Père. Et bénis-nous encore ce matin. Écarte-moi, Père, que ce soit toi encore aujourd'hui pour pouvoir nous parler, parce que nous voulons être droits, nous voulons être comme toi, tu le veux, Seigneur, parce que nous voulons te voir ce jour-là, mon Seigneur. Et ton nom soit déclaré encore aujourd'hui. Je te laisse prier. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir.
Je remercie le Seigneur et je pense à mon frère Wadid. C'est un précieux frère, ce frère. Et je me souviens de son épouse, notre sœur Denise. Cette sœur, quand je me suis retrouvé là-bas, mon Dieu, et elle ne voulait pas que je puisse monter dans l'autre ville sans passer par chez elle. Et son mari était en France, il était à la maison avec les enfants. Mais c'est touchant de voir autant d'amour, autant de respect que les sœurs ont à votre endroit quand ils réalisent que Dieu travaille. Et alors, elle prépara, elle m'invite à la maison pour que je puisse manger, elle fait des choses qu'il aime. Et puis quand je suis parti, et quand je suis revenu sur Abidjan, quand elle a appris que je revenais, effectivement, elle a pris sa voiture jusqu'à l'endroit où j'étais, pouvoir me mettre dans sa voiture et me ramener là où j'étais. Que Dieu la bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse, mon précieux frère, qui te récompense beaucoup pour ton amour. Je sais l'amour que tu as et puis le respect que tu as aussi. Que Dieu te bénisse richement. Qu'il bénisse aussi ta famille, ton épouse aussi, notre bien-aimée sœur Denise. Dis-lui que je l'aime beaucoup aussi. Amen. Dieu te bénisse. Alors nous voyons dans les Saintes Écritures comment le Seigneur, notre Dieu, ici, comme Jean a eu à pouvoir l'écrire, parce que se conduit, comme nous l'avons entendu et lu dans le livre de Pierre, je pense, au chapitre 1, alors que l'apôtre Pierre, effectivement, nous témoignait en disant que nous tenons pour d'autant plus certain la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille effectivement dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le toit du matin se lève dans vos cœurs, effectivement. Et voulons aussi, comme il a fait part, effectivement, que, enfin, que vous sachiez que ça n'a jamais été par une volonté d'homme, qu'une prophétie n'a jamais été donnée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes saints ont parlé de la part de Dieu. Donc, effectivement, que c'est ce que nous constatons, effectivement, que ces hommes, s'ils ont parlé, c'est parce que le Saint-Esprit les a réellement conduits, les a aussi donné donc la parole de Dieu, comme l'apôtre Paul nous l'a dit effectivement aussi, ce qu'il dit, mais je vous déclare, frère, que l'évangile que je vous ai annoncé n'est pas de l'homme, effectivement, ne vient pas de l'homme, parce que je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme. C'est par la révélation de Jésus-Christ. Donc, nous devons donc avoir confiance, effectivement, dans ce que nous recevons, effectivement, comme cela a été donné ici dans les Saintes Écritures. Et c'est comme cela que l'apôtre Jean met par écrit ce qui l'a reçu, effectivement. Et puis, il dit quelque chose de merveilleux dans le premier verset, effectivement, du chapitre 1. Il dit, mais ce que nous avons entendu, ce qui nous a été donc annoncé, ce que nous avons entendu, les choses qui nous ont été donc annoncées, et puis il dit, mais ce que nos yeux ont pu contempler, c'est-à-dire que nous l'avons, non seulement on a entendu, mais nos yeux ont contemplé cela et que nos mains ont touché. Donc, s'il parle de ces choses, effectivement, et comme il exprime, parce que tout véritable serviteur de Dieu, appelé de Dieu, loin de Dieu, choisi de Dieu, envoyé de Dieu, il doit toujours être une partie de la parole. Amen. Parce que on ne peut pas être quelqu'un comme qui répète quelque chose, il faut être quelqu'un qui parle effectivement de choses dans lesquelles il s'est trouvé lui-même, des choses qu'il vit lui-même, qu'il a expérimentées. Alors, on devient un vrai témoin. Comme le Seigneur l'a dit, vous serez alors mes témoins. C'est-à-dire que sans l'Esprit du Seigneur, vous ne pouvez pas être des vrais témoins. Amen. Il fallait qu'ils puissent expérimenter cela, et maintenant que la parole qu'on leur avait donnée, effectivement, devient une réalité, évidemment, une vie, effectivement, en eux, alors, ils pouvaient en parler avec assurance des choses, effectivement, parce que c'est comme ça que l'apôtre Pierre et Jean ont dit, mais comment pouvons-nous ne pas parler des choses que nous avons entendu, nous avons expérimenté, nous avons aussi vu de nos yeux aussi, lorsqu'ils ont été arrêtés, effectivement, flagellés, voilà, tu disais, voilà, ne pas parler du Seigneur, effectivement, il dit, mais comment, il dit, jugez-vous en vous-même, devons-nous obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu? Donc, effectivement, nous sommes témoins de ces choses. Et puis, cet homme, il est bien guéri, vous le voyez bien. Et puis, nous sommes témoins de la puissance, que ce n'est pas nous, mais la puissance qui est dans le nom. Si vous ne l'avez pas expérimenté, vous, mais nous, oui. Alors, comment voulez-vous que nous nous taisons alors que nous savons que c'est la vérité?
Donc quand tu es témoin, tu es exprimé la chose, effectivement, tu ne parles de ces choses, effectivement, avec autant d'assurance, parce que ce sont des choses qui sont vraies pour toi. Donc je sais que ces choses sont vraies, parce que je suis témoin. Et je me dis, mais ce que nous avons entendu, ce que nos yeux ont pu voir et que nos mains ont touché. Alors il parle effectivement de l'amour de Dieu. Il dit, voyez de quel amour, il dit ici, hein, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Celui-ci est celui qui, lorsque le Seigneur disait, mais l'un de vous effectivement me livrera. Vous savez, c'est celui qui était la tête sous la poitrine. Vous vous souvenez? Amen. Donc il connaissait ce que c'est aimer et aimé, parce que par rapport à Pierre, effectivement, quand il le voyait, mais lui, il avait la tête, effectivement, au-dessus de la poitrine du Seigneur, il se sentait bien. C'est pourquoi Dieu, mais toi, dis-nous, effectivement, parce qu'il comprenait. Il savait combien le Seigneur l'aimait et qu'il aimait aussi le Seigneur. Donc c'est un homme qui sait ce que c'est que l'amour de Dieu, effectivement. Hein, parce que c'est aussi une chose qu'il a aussi expérimenté et qu'il a pu voir depuis les temps qu'il marchait, effectivement, avec ces dieux qui étaient là avec eux, sur qui il s'est reposé, effectivement, de tout son cœur. Alors il peut nous dire, voyez vraiment quel amour le Père nous a témoigné, nous. Il nous a témoigné son amour. En fait, ce n'était pas quelqu'un qui répétait quelque chose, mais il exprimait de tout son cœur ce qu'il avait vu et ce qu'il a aussi ressenti et ce qu'il est devenu, effectivement, et ce qu'il a reçu aussi. C'est ça que le Seigneur attend de nous. Nous sommes aussi appelés à être des témoins, à pouvoir réellement aussi être certain des choses que le Seigneur nous dit dans sa parole, parce que ceci a été écrit pour notre instruction, pour que nous qui sommes parvenus à la fin de ces siècles, nous puissions aussi réaliser l'amour de Dieu à l'égard des hommes, effectivement, et comme il en a fait pour ceux qui étaient dans ce temps-là, qu'il le fait aussi pour nous aussi, pour que nous puissions réaliser aussi que ces hommes et ces femmes qui ont eu à pouvoir aussi être dans sa présence, ont eu à pouvoir avoir une vie changée, parce qu'on nous parle de Marie de Magdala, on nous parle de Marie, effectivement, les autres, effectivement, qui étaient des femmes comme vous, effectivement, et qui vivaient dans la vie de leur vie de tous les jours, effectivement, le monde comme le monde avait leur emprise, effectivement. Et quand ils ont rencontré, vous vous souvenez, lorsque Simon l'a invité là, chez la maison, les Seigneurs. Évidemment, il est arrivé, Simon a reçu en donnant un baiser à ceux qu'il aimait beaucoup, en lavant leurs pieds, mais il n'a pas fait ça au Seigneur. Mais c'est ses maris là qui est là. Elle a commencé à pleurer aux pieds du Seigneur avec ses larmes, pas avec l'eau, parce que lui, Simon a pris l'eau, mais là, c'était les larmes d'une femme. Elle pleurait sous le pied. Dieu sait honorer ses serviteurs. Oui, c'est la vérité. Alors, elle pleurait, et pendant qu'elle pleurait, ses larmes mouillaient ses pieds, et elle lavait, effectivement, et puis elle prend ses cheveux-là, et a commencé à essuyer, oh, que Dieu soit béni. C'est que l'autre frère, quand Dieu conduit quelqu'un, c'est extraordinaire. Amen. Vous voyez, cette femme, s'il avait beaucoup réfléchi, elle ne serait pas approchée. Mais quelque chose, et pourtant, c'était une femme de mauvaise vie. Oui, monsieur, j'aime Dieu, frère. Amen. Parce que le regard que le Seigneur pose sur vous n'est pas le même que moi je pose sur vous. Amen. Non, monsieur, non, madame. Alléluia. Le regard du Seigneur est tellement différent. Il a un regard particulier, mon frère. Oui, monsieur. Parce que, voyez-vous, ceux qui étaient les prédicateurs, des hommes qui étaient, c'est-à-dire que nous sommes des saints, nous avons tout, effectivement. C'était Simon. Oui, Simon, il a sa pensée, il a considéré ceux qui est venu, effectivement, que c'était des saints, il rentrait, il avait les pieds, on les embrassait, effectivement, le parfum, oh, voilà. Et puis, quand il a vu la femme qui était venue, waouh, oui, monsieur, avec sa connaissance des Écritures, avec son orgueil, il se dit, moi, je connais, toi, tu connais rien. L'orgueil est la chose la plus mauvaise, mon frère. Que jamais l'orgueil ne monte dans ton cœur, peu importe la taille que tu peux être. Mais toujours l'humilité, c'est comme ça que Dieu t'utilisera. Dans l'orgueil, monte dans ton cœur, contre ton frère, contre ta soeur, contre ta femme, tu es plus bas. Amen. Sûr et certain.
Alléluia. Et regardez, l'homme était là, il est venu à l'écriture, effectivement. Il regardait effectivement dehors pendant que le Seigneur, j'aime Dieu parce qu'il ne dit rien. On lui a fait n'importe quoi, on ne disait rien du tout. Quand il est venu, il ne s'est pas prédit, mais non, je suis prédicateur, lave-moi quand même avant les pieds. Non, il n'a pas fait ça. Il est resté calmement tranquille. On a fait à tous les autres effectivement. Il ne disait rien, il ne se plaignait pas. Ça, c'est un caractère. Amen. Nous, un petit peu, on n'a pas fait pour moi, on n'a pas fait ceci, on s'est plaint. Non, à ce moment, taisons-nous. Si nous avons Dieu, n'avons-nous pas confiance que Dieu défendra notre cause? Amen. Et alors, soyons simplement patients, dit Seigneur. Lui, il était assis, patient, calme. Il ne s'est pas dit, mais toi, lave-moi les pieds. Non, il est venu. On ne s'occupe pas de lui. Il ne s'est pas plaint. Amen. Il est simplement là, tranquillement assis. J'aime Dieu. Amen. Et voilà que là, lui, Simon a fait tout ce qu'il voulait. Il ne s'est pas occupé de lui. Et voilà que cette femme-là qui était là-bas si loin. J'aime Dieu, frère. Le Seigneur sait confondre les hommes. Amen. Vous savez, hier, j'étais chez mon frère Mario. Et j'étais assis avec lui à table. Puis nous parlons. Puis j'ai dit, Mario, quand une pensée te passe par la tête et que tu penses que ce Seigneur, tu ne vois pas, que n'est pas bien, les demi viennent te mettre pour dire, mais regarde seulement en face de toi. En fait, il était assis, il était là, moi j'étais ici et sa femme était ici en face. Je dis, quand ça travaille dans la tête, effectivement, comme ça, regarde en face de toi. En face de lui, c'était, sa femme. Je dis, regarde en face de toi. Il a dit, oui. Il dit, tu te souviens quand je venais ici, la femme ici que tu as. Dieu ne se lui disait rien. Maïté, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Hein. Amen. Amen. Maïté, Dieu ne se lui disait rien. Oh, c'était des choses, et pour elle, c'était rien du tout. Mais ils avaient dans leur maison l'INSEE. Alléluia. Vous connaissez l'INSEE? Amen. Uh-huh. Vous savez, Dieu fait des choses d'une manière extraordinaire. Amen. Et parfois, notre intelligence n'arrive pas à pouvoir saisir. Amen. Mais c'est vrai. Maïté n'avait rien à voir avec les choses de Dieu. Mm. Et pourtant, c'était quand même Mario qui écoute. Parce que Mario, papa, croyant, maman, croyante aussi. Mm. Et Mario, il a grandi quand même. Mais si. Amen. C'est vrai, non? Amen. Ce sont les enfants que nous avons quand même portés. Amen. Voilà. Donc, effectivement, la maison, la femme dit, moi, les choses de Dieu. Mais quand j'arrive chez elle, elle m'accueille avec autant d'amour, autant de joie. Il dit, oh, oh, Seigneur, que ton nom soit béni. Amen. Et voilà, je lui dis, mais regardez, celle qui, pour lui, pour elle, effectivement, dans sa vie, par les dieux, ça n'avait absolument rien à voir, effectivement. Mais aujourd'hui, Maïté des chants des cantiques. Maïté dans son travail, on dit, mais madame, tu as chanté, pourquoi? Elle avait des habillements bizarres, mais aujourd'hui, elle habille, s'habille comme une fille de Dieu. Amen. Amen. Et je sens bien, effectivement, à son travail, on rend témoignage d'elle. Tu dis, mais tu n'as pas regardé? Si Dieu ne voulait pas de toi dans ta vie, effectivement, tu aurais donné une femme comme ça. Parce que c'est une grâce que Dieu te donne pour que tu vois, effectivement. Et j'ai dit, mais regarde une chose. J'ai dit, ça, c'est, j'ai toujours dit, ne mettez jamais Dieu dans une bouteille. Amen. Oubliez vos traditions. Amen. Laissez le Saint-Esprit. Amen. Et dit, toi, tu ne savais pas que Maïté était une fille de Dieu. Amen. Elle ne le savait pas. C'était caché au-dessus. Amen. Mais Dieu t'a utilisé, Amen, toi. Amen. Elle ne savait pas. Elle résiste. Dieu était un Dieu d'amour. Amen. Oui, monsieur. Oui, madame. Amen. Dieu t'a utilisé, toi, pour la prendre. Pour que la flamme puisse s'allumer en elle. Amen. Aujourd'hui, la voici. Amen, amen. C'est vrai, frère. Amen. Qui pouvait le savoir? Vraiment. Pas moi, monsieur. Ce sont des choses que Dieu humaine. Alléluia. Et quand il les révèle, nous sommes heureux. Amen. Le Seigneur, c'était donc comme ça. Alors je ne penserai plus jamais comme ça. Amen. Je vais penser comme toi, tu veux que je pense. Amen. Parce que mes yeux me trompent. Mon intelligence me trompe. Mais ce que toi, tu dis, est toujours vrai. Amen. Oui, monsieur. Oui, madame. Alors voilà que ces deux femmes qui étaient là, lorsqu'elles s'est approchées, nous reviendrons dans le chapitre, s'est approchées, effectivement, le Seigneur, qu'on n'a même pas pris soin, qu'on n'a même pas tenu cas, ainsi de suite, effectivement, de lui, il n'a pas, il ne s'est pas plaint. Je disais tout à l'heure, effectivement, il faut surtout éviter de se plaindre. Amen. Amen. Oui, mon frère, un fils de Dieu, une fille de Dieu. Oh, on ne me fait pas ça, on ne me fait pas ceci, on ne me fait pas ceci, on ne m'a pas fait ceci. Déjà, quand vous vous plaignez déjà, on ne peut pas vous faire confiance. Amen.
Comment voulez-vous que moi je fasse confiance à mon frère Jonas qui tout le temps il se plaint? Mais je dis, mais c'est pas possible. Si c'est plein comme ça, eh bien, c'est pas quelqu'un de confiance. Quelqu'un de confiance, c'est quelqu'un qui sait supporter les choses. Ouais. Parce que comment veux-tu donner responsabilité à un homme comme ça qui tout le temps il se plaint? C'est pas possible, frère. Un fils d'une fille de Dieu apprend pour voir. Un chrétien ne se plaint pas. Amen. Un chrétien ne murmure pas. Amen. Un chrétien supporte bien toute l'espérance que Dieu fera. Amen. 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 Je suis certain. Parce que quelqu'un qui se plaint, tout le temps, on ne peut pas les faire beaucoup. On ne peut pas se reposer sur une telle personne parce que demain, il peut changer de costume. Il y en a aujourd'hui, demain, il va changer avec toi parce qu'on ne sait pas. Ce qu'on veut, c'est quelqu'un qui est fidèle. Amen. Que ça bouge, que ça fasse ici, il est toujours fort. Tout va, et ça va, tout va bien. Amen. Quand je dis toujours à ma soeur Marie Chantal, elle est toujours, j'aime ton sourire. Amen. Toujours sourire. Ça va, elle souffre, mais ça va, frère. Tu dis, mais Dieu soit béni. Amen. Et c'est comme cela que Dieu accorde la grâce, et comme ça que Dieu agit. Amen. Donc, il ne se plaignait pas d'autre. On a fait de lui tout ce qu'on pouvait faire, effectivement, on ne s'est pas occupé de lui, il ne se plaignait pas. En fait, quand Dieu est avec vous, ne vous inquiétez pas. Amen. Même si les hommes ne font pas qu'un de vous, même s'ils ne veulent pas faire ceci pour vous, Dieu se souvient de toi. Amen. Et Dieu prendra soin de toi. Amen. Dans le moindre détail. Amen. La seule chose dont j'ai besoin, c'est d'être en communion avec lui. Amen. Donc quand je suis en communion avec lui, même si le cœur des hommes oublie, il y aura quand même un cœur qui ne m'oubliera pas. Amen. Parce que Dieu agira toujours. Amen. Oui, monsieur, Dieu a besoin d'avoir de vrais fils. Amen. Et de vraies filles. Parce que frère et sœur, si aujourd'hui l'humanité veut voir Dieu, c'est où? C'est pas dans le ciel. Non. C'est sur la terre. Amen. Où c'est? Mais c'est dans vous. Amen. Quand, je donne un exemple, je reviens à la méta, c'est là pour ne pas perdre. Quand j'ai, je suis chez moi à la maison et que j'ai besoin de pouvoir avoir du riz pour manger, et que je n'ai pas du riz. Et je prie, Seigneur, aide-moi. Je vais sortir dehors, puis je regarde le ciel, je vois un sac de riz qui descend. Non, monsieur, le sac de riz ne va pas descendre du ciel. Non, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Mon frère ici, Roy, qui est assis là-bas au fond, il est chez lui à la maison. Il est allé faire des courses, il a acheté du riz pour sa femme, ainsi qu'avec ses enfants. Il dit, bon, ça c'est rien que pour moi. Mais comme il est un fils de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Puisque Dieu sait que j'ai besoin de riz chez moi. Frère Roy, pendant qu'il pose son sac de riz là-bas, il sent une atmosphère autour de lui. Il sait que c'est son père. Et puis il a pensé, il dit, mais ton frère Léonard qui est là-bas, tu n'as pas pensé à lui qui peut aussi avoir besoin du riz. La pensée lui vient. En fait, c'est Dieu qui lui parle. Amen. Parce qu'il connaît l'expression de l'équipe de frère Roy. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre le sac. Il dit, bon, je prends un peu de sachet, je mets encore. Il dit, mais ça c'est pour la maison. Et puis j'arrive. Il va où c'est? Il va chez le frère. Ding, ding, ding. Voilà frère, j'étais chez moi, j'ai senti des désirs d'apporter. Je ne sais pas. Mais bon, je vous la pose. En fait, c'est comme cela que Dieu agit. Amen. Dieu touche le cœur de son Amen. Fils. Amen. Pour... Mais c'est comme ça. Comment voulez-vous que Dieu agisse? Donc il va voilà, avoir un enfant, il dit, mais c'est là, sinon il touchera son cœur pour qu'il accomplisse au travers de lui ce qu'il veut faire. Amen. Donc nous devons être disposés à cela. C'est comme cela que Dieu a fait. Amen. Pendant que le maître était assis là-bas, on le méprisait. Ah, lui, le Seigneur, avait une fille. Amen. Amen. Oui, monsieur. Amen. Oui, madame. Regardez, frères et sœurs. Et moi, et vous, nous étions où d'abord? Dans ce monde où nous sommes, nous étions dans le fin fond de ce monde, dans le bas fond, et nous nous votions dans toutes ces saletés-là. J'y étais, moi. Vous avez été des gens, nous avons tous mené une vie aussi immonde, dans ce monde ici. Quand les gens me regardaient, moi, ils disaient, celui-ci, oh, yo, 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 yo. Celui-ci, et quand mon Dieu me dit, mais celui-ci, non, pour un, non, 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 celui, ah, non, non, les autres, oui, mais pas celui-là. La même chose que vous aussi. Amen. Amen. Quand vous regardez, effectivement, celui-là, jamais dans le monde, parce que le monde était un plein en vous. Qu'on mette les disques et les discos ici, mais la piste est petite. Parce qu'on vous voit, on voit la dame qui quitte là-bas, jusque là-bas, mais toute la pièce est à elle. Et quand le monsieur aussi entre la pièce, et puis, donc chacun de vous laissez. Donc, pendant ce temps, il y avait des croyants, n'est-ce pas?
Il dit à les dire, mais quand vous voyez, mais c'est un païen, c'est une païenne. Et là, comment elle, effectivement, elle peut dire, oh, votre chose là avec Dieu, en tout cas, allez, moi, je ne peux pas aller dedans. Mais quand Dieu est venu vers toi, tu étais fils de Dieu, pas parce que tu as cru, depuis que tu es venu au monde, amen. Dieu savait amen. Que toi, tu étais fils. Amen. C'est comme cela que c'était avec cette femme-là. Mais les religieux, non, ils ont toujours les jugements. C'est pourquoi nous n'avons pas été appelés à juger les gens. Amen. Mais à prier pour les gens. Amen. Parce que nous ne savons pas qui ils sont. Amen. Oui, monsieur. Oui, madame. Nous devons avoir des sentiments d'humilité et modeste. C'est pourquoi l'orgueil est très mauvais. Moi, je suis saint. Lui, il n'est pas saint. On ne peut pas se comparer. Amen. Non, monsieur. Amen. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Amen. C'est pas que je suis meilleur. Non, monsieur. C'est simplement la grâce. Amen. Et je pleure tous les jours pour le remercier. Amen. De me garder. Oui, monsieur. Amen. Chacun de nous doit arriver à pouvoir comprendre ce qu'est et réaliser effectivement ce que Dieu a fait réellement de lui. Et pourquoi? Voilà que des femmes étaient quelque part si loin. C'est votre temps, effectivement, dans sa propre vie. J'aime Dieu, mon sauveur. J'aime Jésus le Christ. Amen. Vous comprenez pourquoi je l'aime? Amen. Je vais encore vous montrer encore des choses que vous devez les comprendre facilement. Eh bien, la femme là, surprise en flagrant, délit d'adultère. Alléluia! Frères et sœurs, ils l'ont surpris loin. Là, on devait la lapider, il n'y avait pas de problème. Mais ils ont fait une grosse erreur. Amen. C'est de l'amener là, amen. À cet endroit-là, qui était là, c'était la séance de vie. Alléluia. Amen. Avec Jésus, la mort n'est plus. Amen. Oh oui, monsieur. Oh frère. Amen. Vous n'avez pas encore compris. Frère et sœur, dit, ces hommes avaient leur raison de voir les faire si loin, mais l'amener là à Christ. Quand quelqu'un vient à Christ, la mort n'est plus. Amen. Vous l'avez amené à l'endroit où il y a la vie. Amen. Mais c'est vrai, frère. Il a dit, mais si quelqu'un croit en moi, amen. Il ne mourra point. Amen. Vous l'avez amené à lui. Oui. Il dit, voici, on te l'amène. Amen. Mais qui était-elle? C'était aussi une fille d'Abraham, monsieur. Amen. Frère, il est venu pour toi, mon frère. Amen. Il est venu pour toi, ma soeur. Amen. Et s'il était venu à cet endroit, quand Simon a eu à pouvoir l'appeler, c'est parce que Dieu savait que cette fille était dans les environs. Amen. 100% vrai. Amen. C'est sûr et certain. Vous pensez qu'il passait par hasard? Non. Bartimée était là. Amen. Quand il passait par là, il savait que Bartimée était là. Amen. Quand il passait par là, il savait que la femme au pain de sang était là. Amen. C'est sûr et certain, mon frère. Amen. Parce que, on lui a dit, mais tout le monde te touche. Oh. Alléluia. Pour que nous sachions qu'il le savait. Amen. Il dit, mais les disciples disent, ça dit, tout le monde te touche. Il dit, mais tout le monde me touche, mais cette touche-là. Amen. Alléluia. Elle est différente. Il savait, mon frère. Amen. Que il doit passer par là parce qu'elle sera à cet endroit. Amen. La profondeur. Alléluia. Appelle la Amen. Profondeur. Amen. Oui, ma soeur. Oui. Et comme elle était aussi une fille d'Abraham, le Dieu du ciel ne pouvait pas la laisser insensible. Il fallait qu'il donne la révélation. Amen. Oui, monsieur. Elle dit, si je puis simplement Amen. Toucher son vêtement. Amen. Et c'est le prédicateur qui lui a dit? Non. Non, monsieur. Alléluia. Vous pensez que c'est un jeu quand on parle des enfants de Dieu? Quand on parle effectivement de... C'est vous qui prenez un jeu, mais un jour vous allez regretter. 100% vrai, frère. Ceux qui nous ont précédés nous témoignent de la véracité des choses de Dieu. Amen. De l'omniscience de Dieu, que Dieu est omniscient. Et puis que, comme c'est un fils de Dieu, il est conduit par l'Esprit de Dieu. Amen. Il dit, je ne fais rien de moi-même. Amen. Je fais ce que le Père me montre. Amen. N'est-ce pas qu'il a dit, mais allez dans telle maison, vous trouverez tel. Dis-lui ça. Elle était ici, ici. Amen. Ils sont partis, ils ont trouvé exactement ce qu'il avait dit. Amen. Donc, il savait que partout il passait. Sachez! Amen.
Le passage qui passait par hasard, il savait qu'il y a un Zachée dans ses environs. Il viendrait. Et qu'il montrait sur un sycomore là. Il montrait. Et le Seigneur n'est pas. Vous savez, il y avait la foule. Voyez-vous, ce n'est pas la foule qui compte pour Dieu. Amen. C'est toi, mon frère, ce matin. C'est toi, ma soeur, ce matin. C'est toi que Dieu regarde. Amen. Oui, il passait sur le chemin, la foule l'entourait. Il disait comment il est tellement mieux. Il l'entourait, effectivement, il les suivait. Et puis, il marchait. Zachée dit, mais regardez comment il est tellement si entouré par la foule. Comment il est tellement si grand. Moi, je ne suis qu'un petit. Quand on reconnaît ce qu'on est, amen. Dieu fait de nous la part. Amen. Il dit, je suis petit, j'ai dit, je dois monter sur un sycomore. Et puisque pour pouvoir le voir, il n'avait pas dit, comme ça, je le fais venir chez moi à la maison. Non, monsieur. Il dit, le fils que mes yeux le voient. Dieu a vu la sincérité de son cœur. Alléluia. Amen. La profondeur après la profondeur. Amen. Il y a une attraction qui attire quelque part. Amen. Merci. Zachée qui monte sur le sycomore. Et ses pensées étaient que je puisse simplement, je suis petit, je puisse simplement le voir, effectivement. Et il voyait cet homme qui est passé. Et la foule qui l'entourait, les gens qui couraient après lui, effectivement. Et il avançait. Je me suis posé la question, mais où est-ce qu'il va? Où est-ce qu'il allait? Parce que Zachée est venu, se dit, mais où est-ce qu'il va? Mais je vais le regarder. Et Zachée ne savait rien du tout. Son désir était que je vais seulement le voir. Et pendant que cet homme avançait, tout d'un coup, alléluia. Tout d'un coup, il arrive là où se trouve le sycomore. Gloire à Dieu. Alléluia. Comme avec la part de la femme prédécente, il s'est arrêté. Il dit, mais quelqu'un m'a touché, mais c'est dit ravi, tout le monde est tout. Il dit non. Alléluia. Il y avait cette femme. Amen. Arrivé au sycomore, il s'arrête. Il dit non. Il n'y a pas une synagogue ici. Alléluia. Il n'y a pas un temple ici. Non. Mais tu t'arrêtes ici pour voir alors que tu avances. Et là. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit, il y a quelque chose ici. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, Zachée. Amen. Oh, comment a-t-il si son nom? Amen. Alléluia. Oh oui, monsieur. Amen. Oui, madame. C'est pour ça que nous chantons, nous avons Jésus. Amen. Non seulement nous avons son pouvoir. Amen. Nous avons sa puissance. Amen. Ah, c'est merveilleux. Amen. On se sent bien. Amen. Alors nous voulons que Dieu nous accorde la grâce d'entrer encore davantage. Amen. Dans sa présence et que nous soyons tous revêtus, frère, pour que ce qui est charnel puisse s'envoler. Amen. Que nous entrons la dimension avec cette allégresse. Amen. Alors nous verrons beaucoup de choses. Amen. Alors il dit, mais Zachée. Alors je crois que l'homme sur la, le sycomore, je crois que c'était tellement que il a failli tomber de là. Il dit, moi ici Zachée, frère et soeur, le Dieu du ciel qui connaît les étoiles qu'il a créées, qui a créé les cieux de la terre, tu te fais, ce Dieu-là te connaît par ton nom. Amen. Par ton nom à toi. Il ne va pas se tromper. Non. Il ne va pas appeler Jonas à ta place. Non, c'est toi qui vas appeler. Amen. Il appellera Jonas par son nom. Amen. Et quand il t'appelle par ton nom, tu vas réellement entendre ton nom. Amen. Oui, monsieur. Oui, madame. Il a dit non. Moi, j'appelle mes brebis par leur nom. Et c'est clair. Alléluia. C'est parce qu'il vous connaît. Amen. C'est pas une comédie, frère et soeur, ce n'est pas qu'on répète une musique. Non, c'est une réalité que le Seigneur vous connaît par votre nom. Oui, sur les secteurs. Je crois que chacun de vous le sait. Et, chacun, et Dieu vous a appelé par votre nom. Il vous connaît, vous. Il vous connaît par votre nom. Il t'appelle par ton nom. Amen. Et quand il t'appelle par ton nom, les choses sont différentes. Il dit, Zachée, quand Zachée a d'abord réalisé que cet homme dont pour lui c'était même pas accessible. Oui, ma soeur, c'est vrai. Ah, c'est vrai, parce qu'il y avait la foule autour de lui. Il dit, mais comment? Parce que j'ai dit, frère et soeur, n'oubliez jamais. Vous pouvez vouloir montrer aux gens, moi je suis, moi je suis. L'orgueil que vous avez vous fera rater le royaume de Dieu. Sur un certain, quand vous prenez pour quelqu'un, c'est fini pour vous. Amen. Mais quand vous vous prenez pour rien,
ça se verra que Dieu agira pour toi. C'est comme cela qu'il était donc Zachée. Regarde. Là, sur Sycomore, ne sachant pas qui il était, il ne savait pas qu'il était aussi un enfant de Dieu. Non, non, il n'était pas conscient de cela. Mais lorsque l'appel a retenti pour lui, alors sa chair lui disait quelque chose. Cet homme, ce Messie, ce grand prophète, ici qui vient de là-bas, il me connaît donc. Et puis maintenant, regardez, frère. Alors que tout le monde le suivait, la foule l'entourait, on ne savait même pas très bien où est-ce qu'il allait. Alléluia. Mmh. Et Zachée ne savait pas. Alléluia. Alléluia. Et puis, il entend simplement s'arrêter. J'aime Dieu, frère. Amen. Il s'arrête là où il avait si comment. J'aime Jésus, mon frère. Amen. Vous avez un cantique qui dit, tous vos compagnons, les iront chez eux. Amen. Mais mon compagnon. Amen. Vous connaissez, non? Amen. C'est sûr et certain. Il faut que vous l'ayez. Amen. Amen. Ah, c'est un privilège dans la vie. Amen. Parce que quand vous traversez des moments un peu sombres, vraiment, quand tout devient sombre, alléluia. Seul Jésus de moi. Amen. Alléluia. Au moment où vous réalisez que c'est un moment que tout le monde abandonne et s'en va, il n'y a qu'un seul compagnon. Il va rester avec toi. Amen. C'est pas pour vous faire plaisir dans les oreilles, Amen. Mais c'est la chose vraie. Amen. Amen. Parce que lui, il reste fidèle. Amen. Malgré notre infidélité. Amen. Parce que Zachée vivait sa vie, mais il ne savait pas que c'est Dieu du ciel. Avait l'œil sur Zachée. Amen. Cet homme avait raison de dire, mais voyez quel amour le Père nous a aidés. Amen. Parce que quand nous regardons où nous étions, Amen. C'est que même les autres pouvaient dire de nous, mon frère, en nous regardant. Parce que le regard que les gens posent sur nous, nous pouvons réaliser aujourd'hui que ce n'est pas le même regard que Dieu pose sur nous. Amen. C'est vrai. C'est sûr et certain et c'est 100% vrai. Zachée, je crois que c'était un publicain, quelqu'un qui était vraiment personne. Je crois que vous l'êtes dans les alentours de Zachée parce qu'on savait toutes les communes qu'il faisait. Oui. Sûr. Mais quand le Seigneur s'est arrêté là, Amen. Personne ne pouvait même penser qu'il s'est arrêté là parce qu'il y avait un Zachée sur un sycomore. Le Seigneur dit dans sa parole, il dit que je suis avec celui dont le cœur est brisé. Amen. Esprit contrit. Amen. Vous savez que dans Ésaïe chapitre 53, il est dit de lui, homme de douleur, habitué à la souffrance, Amen. Mais il ne s'est jamais plaint. Amen. Alléluia. Quand je regarde même quand on flagellait Pierre, on a donné des fouets à Jean, puis on est allé, je n'ai jamais entendu sa plainte. Non, 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 mon frère. Les épreuves que Dieu te fait passer, c'est pour former un caractère. Amen. Amen. Dieu veut avoir des hommes et des femmes au caractère. Amen. Qui savent certainement en quoi ils se sont donc engagés. Et en quoi, effectivement, vous êtes trouvés. C'est absolument important. Le caractère que Dieu forme. Voilà que dit Zachée, et Zachée réalise que c'est vraiment lui que le Seigneur là, le grand prophète là, appelle. Et puis il dit Zachée,
Et lui descend de là. Je pense que cet homme est dans un état où tout son corps tremblait. Tout son esprit était dans un état où l'homme, il ne savait même pas qu'on dit, mais descend de là, frère. Tout le monde, il passait quand même son chemin, frère, avec les autres fantômes. Est-ce qu'avait il temps de lever la tête pour voir qu'est-ce qu'il y a dans l'arbre? Non. Alléluia. Non, Zachée n'espérait même pas. Amen. Alléluia. Peut-être qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient dans les arbres, effectivement. Lui était petit de taille, donc il n'était pas grand pour dire que je suis grand. Mais il m'a dit, mais comme je suis petit, je dois trouver un secours. Amen. Qu'on m'aide au moins pour que je puisse arriver. Et il entend cette voix qui dit, Zachée, descend. Amen, amen. L'arbre de Dieu tient, descend. Tout le monde veut s'étonner. Et il vient de loin. Il ne connaissait même pas cet homme ici, mais il appelle par son nom. Et il lui dit en plus, descend. Je pense que les disciples vont dire, mais pourquoi maître dit à un homme qui est en bonne santé de descendre? Il vient descendre parce qu'il est sur l'arbre. Oh oui, monsieur. Alléluia. Oui, c'est vrai. Mais bon, on voit bien se diriger vers le malade, mais là, c'est un homme en bonne santé. Amen. Alléluia. J'aime Dieu. Amen. Il était en bonne santé physiquement, mais malade spirituellement. Amen. Parce que si Zachée a quitté l'endroit où il était pour venir à cet endroit, c'est parce qu'il avait un besoin. Amen. Alléluia. Amen. Souvenez-vous de la femme au puits. N'oubliez jamais cela, frère. Amen. J'aime Jésus. Amen. Notre Seigneur. Amen. Je l'aime beaucoup. Il a une façon particulière de faire les choses que nous prions, qu'il nous accorde la grâce de pouvoir également être semblable. Amen. Il vient et s'assied au puits. Vous vous souvenez? Amen. Il n'a rien dit. Vraiment. Il a simplement dit, j'ai une nourriture que vous ne connaissez pas. Mm-hmm. Quand les disciples n'étaient pas pour acheter, il est resté assis au puits. Je pense qu'ici, les gens qui regardaient disent, ah, mais c'est pas le prophète. Mais qu'est-ce qu'il fait là-bas au puits? Qu'est-ce qu'il fait au puits? C'est quand les gens pouvaient le regarder. Qu'est-ce qu'il fait au puits? Et il savait ce qu'il faisait au puits. Amen. Ce qui est important pour toi, mon frère et ma soeur, c'est de pouvoir te laisser conduire par le Saint-Esprit. Amen. Il va te faire faire des choses que le regard humain ne peut pas comprendre. Amen. C'est pour ça qu'il ne faut pas chercher à pouvoir satisfaire le regard humain. Amen. Parce que Dieu va te conduire à poser des actes, effectivement, qui sont contraires à ce que le regard humain voit. Amen. Mais ça dépend de ce qu'il y a dans ton cœur. Alléluia. Oui, monsieur. Oui, madame. Je parle bien de la conduite de l'esprit. Amen. Pas de votre conduite à vous. Vraiment. Parce qu'il y a une différence entre votre conduite à vous et la conduite de l'esprit. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, il faut que vous soyez dans l'esprit. Amen. Pour que vous soyez conduits par l'esprit. Amen. C'est pas vrai? Amen. Regardez une chose qui. Alors il s'est assis là. Donc oui, il savait bien pourquoi il était venu s'asseoir là. Sûr et certain. Les gens pouvaient le voir, dire quoi? Il n'a même rien pour puiser. Qu'est-ce qu'il attend? Les pensées peuvent passer. Hein? Comme nous savons. Et au puits, ce sont nos filles qui vont puiser de l'eau. Oui, il est assis là. Peut-être qu'il peut. Peu importe ce que les gens peuvent penser. Ce qui m'importe, c'est ce que Dieu me conduit à faire. Les gens peuvent avoir des idées comme toujours, la passe par l'esprit. Oh, voyez-vous, il est assis au puits là-bas, mais il attend peut-être que l'une puisse passer. Oui. Vous savez, Dieu connaît les pensées des hommes. Amen. Il ne s'occupait pas de la pensée de l'homme. Il s'occupait de ce qu'il devait faire. Et tout d'un coup, et voilà que quelque chose s'est passé. Pendant qu'il était assis là au puits, il attendait qu'il y a une jeune dame qui était donc dans sa maison. Cette dame
C'est dans son cœur à ce moment-là que le désir commence à pouvoir monter. Le désir de faire quoi? D'aller au puits pour aller puiser de l'eau. Et cette femme avait dans son cœur un besoin profond. Vous vous souvenez, non? On a parlé ici à notre église. Un besoin profond. Et c'est quand elle est sortie, effectivement, ce n'était pas qu'elle est sortie comme ça, c'est qu'il y avait une pousse quelque part. Amen. Quelqu'un qui l'a poussée. Pourquoi, mon frère? Parce que avant même que le monde soit monde, Dieu la connaissait. Amen. Et là, c'est comme ça que, sachant que là, quelque part, il s'est trouvé la réponse à son problème. J'ai toujours eu à pouvoir dire, frère et soeur, tous, chacun de vous, vous devez savoir pourquoi vous venez à cet endroit. Parce que quand vous venez, si c'est Dieu qui vous a conduit, et qui vous a montré effectivement pourquoi vous devez être là, et aussi c'est lui qui vous conduit, alors frère et soeur, pourquoi vous ne respectez pas la parole de votre pasteur? Relevez vos têtes ici, je n'ai pas encore lu de lire l'écriture, relevez les têtes, regardez-moi ici. Si c'est vraiment vous qui êtes des anciens, des anciennes. J'ai dit, mais pourquoi? Parce que les autres s'en vont, ils trouvent des raisons, ils font ceci, ils font cela. J'ai dit, mais chacun de vous est libre. Pourquoi vous ne partez pas et pourquoi vous êtes à cet endroit? Si vous êtes dans l'endroit que vous avez prédit, que Dieu vous a conduit et que vous croyez que c'est la place que Dieu vous a donnée, alors pourquoi vous n'écoutez pas ce que votre pasteur vous dit? Quand vous avez une question, venez le voir. Voilà, pasteur, il vous dit ça. Pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi, quand la parole vous est aussi apportée, effectivement, que vous entendez et vous sentez, vous refaites la même chose? Quand on vous donne un conseil, effectivement, les grands dangers avec les frères, c'est que, en fait, ils sont arrivés à ce moment-là. Et quand le pasteur dit, il peut même mentionner, bon, je sais qu'il me dit, bon, moi je pense que moi je suis spirituel. Mais frère, si tu étais spirituel, alors Dieu t'aurait placé pasteur. Est-ce que vous comprenez? Donc si Dieu a placé un homme à l'endroit où vous croyez que Dieu vous a donné, alors soyez reconnaissant à Dieu. Amen. Dites, Seigneur, je sais maintenant une chose, que je suis en paix. Quand j'ai un problème, je sais où je dois aller pour pouvoir avoir la réponse à ma question. Amen. Et quand je vais là-bas, je ne veux pas voir un homme, je veux te voir toi, Amen. Dans l'homme que tu m'as donné comme responsable de mon âme. Amen. Tout ce qu'il me dira, moi je vais le faire puisque toi tu m'as dit. Amen. Et moi je viens à connaissance que le Seigneur, tu m'as conduit ici, alors j'ai confiance. Amen. Frères et sœurs, quand nous sommes comme cela, sûr et certain que nos vies ne seront jamais pareilles. Amen. J'ai entendu Amen. Amen. Sur la soeur Patricia. Et j'ai encore le papier ici. Hein. Je le regarde. Et ça, c'est. Je l'ai encore ici. Je vois. Les témoignages de la soeur Patricia. Je l'ai lu ici déjà une fois. Lors de la réunion du mardi 13, pendant qu'on priait, j'ai vu que la chair était transformée en lumière comme le soleil. Et une voix me disait, cet homme marche derrière mon nom. Elle dit, si seulement vous écoutiez, vous étiez attentif à ces paroles, vos vies ne seraient plus pareilles. C'est pas moi. Simplement pour que nous comprenions que Dieu ne fait rien pour faire quand il s'agit de ses enfants et son peuple. Et il est très jaloux de ce qui lui appartient. Et si vous appartenez à Dieu, Dieu vous conduira aussi certainement. Comme il a fait avec la femme. Oui, cette femme est venue, elle a quitté là-bas parce que Dieu l'a poussée pour la ramener à l'endroit qu'il fallait qu'elle aille. Parce qu'à cet endroit-là, Dieu avait placé un homme. Cet homme-là, c'était la solution au problème de la femme. Amen. Parce que la femme est venue là commencer à discuter avec l'homme. Il lui a demandé à boire. Il dit, mais nous n'avons rien à voir avec vous, vous les Juifs. Vous connaissez, non? Nous sommes des Samaritains, nous savons. Il dit, si tu connaissais le don de Dieu,
Et celui qui te parle maintenant, tu lui aurais toi-même demandé. Si tu connaissais et tu savais qui était celui qui te parle. Ces paroles, c'était pour déclencher quelque chose en elle. Tu lui aurais toi-même demandé à boire de l'eau et l'eau qu'il t'aurait donnée. Ça sera la solution à tous tes problèmes. Tout d'un coup, ça c'est pour la femme, non? N'est-ce pas vrai? Amen. Oui, quand on est un enfant de Dieu, quand Dieu t'amène à l'endroit que tu entends la parole, ça change quelque chose. Amen. Tu dis, Seigneur, j'ai été à différents endroits, j'ai entendu, mais mais là! C'était autre chose. Ça pénétrait mon cœur, ça fait quelque chose dans l'âme. J'ai réalisé, Seigneur, là, c'est vrai, quand même. C'était pas l'homme, c'était Dieu. L'attraction de Dieu pour te montrer ce qu'il est en train de vouloir faire. Et c'est comme ça que vous voyez comment la femme. Alors, nous revenons à Simon. Simon, disant que voilà, bon, ben, je l'ai invité, mais ne sois pas occupé de lui. Vous savez qu'un serviteur de Dieu, quand même, c'est le peuple de Dieu qui doit prendre soin. Amen. Je n'ai pas bien entendu. Amen. Je n'ai pas bien entendu. Amen. Je ne sais pas si vous avez entendu. Je n'ai pas bien entendu. Amen. Mais amen, c'est comme si on vous l'a forcé. Non. C'est la vérité. Parce que les Lévites n'avaient pas de portion, n'avaient pas d'état soin. Ça y est cela. Amen. Normalement, le peuple de Dieu doit beaucoup aimer les serviteurs. Amen. C'est anormal que le peuple de Dieu déteste les serviteurs. Amen. Parce que un serviteur de Dieu est le serviteur de leur père. Et c'est un vase de leur père, de Dieu, effectivement. Et quand on est de Dieu, on est reconnaissant ce que Dieu fait. Amen. C'est vrai, non? Amen. J'entends un amen très froid. Amen. 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 C'est biblique. Amen. 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 C'est biblique, effectivement. Le peuple de Dieu, il s'arrive à pouvoir être positionné dans une chose de Dieu pour rendre gloire au Seigneur. Il a dit, c'est lui qui vous reçoit. Reçoit. Amen. Donc, quand nous le recevons, et nous recevons le Seigneur. Et ça, ce que les Saintes Écritures, est-ce que le Seigneur lui-même a eu à pouvoir. Donc, comme Simon ne prenait pas soin, il n'a pas eu à pouvoir faire ce qu'il devait faire, et cela, Dieu continuera toujours à prendre soin de ses serviteurs. C'est vrai ou pas? Amen. Voilà qu'on lui a refusé de laver les pieds, de mettre de parfum, de donner un baiser, de bienvenue, effectivement, on l'a pas fait. Voilà qu'il y avait une femme de mauvaise vie, loin, là où elle était, effectivement, elle n'avait pas le désir de demeurer ce qu'elle était, elle ne savait pas comment s'en sortir. Là! Et ça, au fond de son cœur, les désirs d'aller à un endroit dont elle savait qu'elle ne pouvait pas avoir accès. Oui, monsieur, oui, madame. Parce que le regard de ces gens-là à son endroit, c'était déjà un rejet parce qu'on ne voulait même pas la toucher ni l'approcher. Quelque chose lui poussait, mais lève-toi, va là-bas. Il a pris son courage et il est parti. Quand elle est arrivée, effectivement, elle ne s'est pas dirigée vers quelqu'un d'autre. Mais vers cet homme-là qui était assis. Tous les autres avaient les pieds lavés. Est-ce que vous suivez? Amen. Dieu savait. Il ne pouvait pas aller laver les pieds de quelqu'un d'autre qui avait été lavé les pieds. Tous les autres avaient les pieds lavés, effectivement. Mais il y en avait un qui était là. Dont on avait écarté, on avait méprisé, effectivement. Et elle est allée, effectivement, là, c'est à cet homme-là, et s'est incliné avec ses larmes. Frère, comment est-ce que vous pouvez me dire que Dieu n'existe pas? Que Dieu ne fait pas?
Dieu ne conduit pas non plus. Et ça, c'est une preuve que Dieu est vraiment en action. Amen. Et la femme a commencé à pleurer, ses larmes lavant les pieds. Et là, Simon, l'homme qui était le plus intelligent, l'homme qui était le plus spirituel, quand elle levait les yeux, effectivement, parce que c'est souvent ça, quand cet orgueil d'esprit, effectivement, des sentiers beaucoup plus spirituels monte en toi, tu veux montrer à tout le monde, tu veux épater les gens que moi je connais mieux qu'eux. C'est ça le corps et les dates. Moïse n'était pas jamais prétendu, n'est-ce pas? Et alors, il dit, si cet homme, écoutez bien, si cet homme était un prophète de Dieu, donc il a invité chez lui, vos regards ici chez moi, s'il vous plaît, frère. Sinon, je vais demander qu'on avance encore les chaises ici. Alors, dit, si cet homme était un serviteur de Dieu, un prophète de Dieu, il l'aurait su. De quelle espèce? Des femmes. Il s'agit de quel genre de femme? De toucher, il se laisse toucher comme ça. C'est pas un prophète. Le Seigneur n'a rien dit. Hein. Pendant ce temps-là, qui était de le mépriser dans sa pensée, il n'a rien dit. On montre, oui, frère, parce que j'ai appris ce que tu as dit de moi. Non, je sais ce que tu as dit de moi. Je connais ce que tu as pensé de moi. Et c'est sûr et c'est que tout ce que tu as dit, je le sais. Mais je te regarde comme tu n'as rien vu. Amen. C'est pourquoi, à l'égard des hommes de Dieu, frères et sœurs, soyez respectueux. Même chez vous, à la maison. Amen. Je me souviens juste un exemple. Je peux donner à Irène parce que je sais qu'Irène n'aura pas de problème. Mais ma soeur, Irène, dans l'épouse de mon frère, elle était chez elle à la maison et je crois qu'elle était tentée de pouvoir prier. Et moi, j'étais chez moi. La présence du Seigneur vint. Je devais me mettre à genoux. Il me dit, prie pour elle parce qu'elle a besoin de ça, 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 ainsi, ainsi. Elle était chez elle à la maison. Moi, j'étais chez moi dans la maison. Et j'ai prié pour ma soeur Irène. Je crois qu'il y a longtemps, c'est leur prié cela aussi. J'ai prié pour ma soeur Irène. Pour effectivement, le problème qu'il a travaillé dans son cœur, c'est d'avoir pensé effectivement. Ce n'était pas qu'elle est partie du mal en moi, mais c'était pour son ça, ses affaires, pour ce qu'elle était, voulait que Dieu fasse quelque chose pour elle. Donc, il a. Ce qu'il avait vraiment dans son cœur, et Dieu a accordé la grâce que je puisse. Et j'ai prié pour elle. J'ai rien dit. Et puis après, je crois que c'est un ou deux jours après que je l'ai vu. Je lui ai dit, ma soeur, voilà. J'étais chez moi, et voilà que le Seigneur vint et me dit de prier pour toi, pour ça, pour ceci et pour cela. Il dit, c'est exactement les choses que j'avais pour lesquelles je priais Dieu. Dans mon cœur. Et j'étais à genoux, je pleure. Je me souviens, quand c'était à ce moment, j'ai quitté pour Gamos. Et il va habiter, je pense. Quelque part, c'est Yves, je ne sais plus très bien où ça va. Je ne sais pas, je me souviens encore, effectivement. C'est bon. Donc, c'est pour dire que c'était l'exemple que je donnais d'elle, effectivement, parce que je connais elle. Donc, c'était l'exemple pour dire, effectivement, que le Dieu que nous servons, il n'est sommeil, il n'est dormi. Amen. Alléluia. Frère, nous n'observons pas un Dieu qui est mort. Non. Nous servons un Dieu qui est vivant. Amen. Et c'est Dieu qui est vivant. Il vit encore. Amen. Alors, pendant que Simon pensait cela, effectivement, lui, il a laissé aller. Puis elle a fait, elle pleurait, elle essuyait, elle embrassait ses pieds, effectivement. Il ne disait rien. Vous voyez, effectivement, si c'était Simon, il dit, allez. Tu me touches pas, je suis saint. Non, lui, il a dit, il n'y a pas de problème. Et il était, pourquoi? Parce qu'il savait ce que Dieu faisait. La femme faisait, la femme pleurait, la femme faisait ce qu'elle va faire, effectivement. Ah! Maintenant, quand la femme a terminé de faire ce qu'elle devait faire, j'aime le Seigneur. Amen. Il se tourne maintenant vers Simon. Simon avait pensé. Et Simon! Alléluia. Je suis venu dans ta maison. Tu m'as invité dans ta maison. Je suis venu, tu m'as invité, à pas de problème. Tu ne m'as même pas donné un baiser de bienvenue. Tu ne m'as même pas lavé les pieds, c'est bon. Tous les autres amis qui sont venus de chez toi, effectivement, tu as tout fait. Mais moi, non. Et voilà, tu
que depuis que je suis arrivé ici, cette femme n'a pas arrêté de pouvoir laver mes pieds avec ses larmes et essuyer avec ses cheveux. Il dit, alors il dit, certainement, il donne alors cette parabole de pardon pour dire que c'est lui à qui on a beaucoup pardonné. Amen. Aimera beaucoup. Amen. Amen. Et à la femme, va. Alléluia. Va, femme. Le péché de son mari. Amen. Cette femme, mon frère et ma soeur, elle a réalisé réellement la taille et la grandeur de l'amour de Dieu à son endroit, par rapport à ce que les autres avaient comme regard, effectivement, hein? Et puis, des paroles qui sont sorties de la bouche du Seigneur, pour qu'elle puisse aussi comprendre, effectivement, que là, elle vient de poser un acte que Dieu voulait qu'elle pose. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. La même chose avec la femme surprise en flagrant délit d'adultère. Vous vous souvenez? Amen. Auquel on a amené à cet endroit-là. Vous vous souvenez encore? Ensuite, vous la connaissez. Voilà que cette Marie, là, effectivement, que lorsque elle et les disciples ont fui en ayant pardonné, effectivement, cet homme-là, parce qu'on a même posé son corps, effectivement, dans le tombeau, et les gardes étaient là pour garder ses corps, effectivement, avec les pierres, effectivement, pour dire que personne ne s'approche, effectivement. Les femmes, là, n'ont pas eu peur, frère. Amen. Alléluia. Cette femme savait ce que c'est Jésus. Amen. Était pour elle. Amen. Ce que c'est Jésus avait réellement fait pour elle. Amen. Même jusqu'à ne pas avoir peur de la mort, mais nous venons, mais vous venez, pourquoi nous sommes venus chercher Jésus? Amen. Il dit, mais où est-ce que vous avez mis son corps? Amen. Donnez-nous son corps, frère, même mort. Alléluia. C'est pourquoi j'ai toujours eu à pouvoir le dire, frère, si la Bible le montre, que quand une sœur aime vraiment Dieu, quand elle aime vraiment Dieu, elle aime Dieu. Amen. Amen. J'entends pas des amens. Amen. J'entends simplement, amen. Oh, quand un frère, loin de Dieu, alléluia, amen, amen, amen. C'est, en fait, ce sont les traditions, les habitudes que nous avons, c'est à pouvoir voir les choses. Parce que tout le monde, enfin, être là-dedans, mais nous devons comprendre que Dieu n'est pas comme nous. Amen. Oui, monsieur. D'ailleurs, après, vous pouvez le voir quand même. Ce sont les sœurs qui sont allées vers les frères. Amen. Et les frères avaient même difficile. Amen. Difficile. C'est une leçon quand même. Amen. Difficile de croire que Dieu pouvait faire une telle merveille montrant à des sœurs. La résurrection passée, c'est la chose la plus importante, monsieur. Amen. Il dit que c'était chez nous, les hommes, on veut voir. Non, il dit, mais c'était aux sœurs. Amen. Il dit, allez dire à mes frères. Amen. Donc, elle devait aller annoncer. Ah, il dit, c'est pas pour nous, oui, mon frère. Oui, mon frère. Amen. Ce sont les sœurs qui ont annoncé sa résurrection. Amen. Oui, monsieur. L'ange leur a dit, mais il dit, mais vous cherchez qui? Nous cherchons Jésus. Il dit, allez, vous ne craignez rien. Vous ne craignez rien. Allez dire à ses frères, effectivement, qu'il est ressuscité. Il est précédé en Galilée. Frère et sœur. Oui, monsieur. Oui, madame. Donc les sœurs ne sont pas des chiennes qu'on peut traiter comme des chiennes. Ceci et ça. Non. Des filles de Dieu qu'on doit respecter. Amen. Amen. Ah oui, c'est que Dieu te bénisse, amen, parce que je n'ai pas entendu l'amen quand je dis, oh, on doit honorer les frères, alléluia. C'est toi les frères. Mais quand on dit qu'on doit respecter et honorer nos sœurs, est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est Dieu? Qu'est-ce que la Bible dit pour un 31? La femme qui va être honorée, c'est celle qui craint. Qu'on sorte des traditions, amen. Qu'on sorte de nos présomptions, des je suis le, non.
il y a une place que Dieu a donnée. Un véritable homme, un véritable masculin, il ne va pas mépriser la femme. Amen. Amen. Frère, nous n'avons pas beaucoup de... Mais regardez, frère, qu'est-ce que la Bible dit? Parce que tu dis, je suis un homme de Dieu, et tu méprises vêtements celle qui est. Mais ce n'est pas possible. Amen. Non, monsieur, parce que la Bible dit que... Je vais vous lire pour que vous puissiez voir dedans. Le livre des Éphésiens. Mon frère Jonas, je voudrais que le ventilateur soit tourné dans le sens, c'est-à-dire que tu dois venir à cela. Maintenant, c'est bon. Va d'abord chercher le ventilateur, tourne le ventilateur vers ici, puis je dirai le chapitre verset. Voilà. Il faut qu'il se tourne vers ici encore. Voilà. Je ne le sens pas très bien. Maintenant, je le sens un peu. Voilà. C'est les Éphésiens, hein, mon frère Jonas. Tu peux même prendre la place. Je pense que c'est Éphésiens au chapitre 5. Donc, puis, maintenant, Éphésiens au chapitre 5. Et nous pouvons lire ensemble à partir du verset 22. Éphésiens 5, verset 22. Femme, que chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur. C'est pas vrai? Amen. Car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église, qui est donc son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Ça, on aime bien. Amen. Alléluia. Amen. Quand on dit les femmes soumises à leur mari, elles sont dites Alléluia. Oui, Alléluia. Madame, tu as entendu ça? Oui, tu dois être soumise. Gloire à Dieu. Comme ça qu'ils sont. Mais c'est vrai. Les hommes aiment bien entendre femme, soyez soumise. Il n'est pas soumise, il n'est pas soumise. Il n'est pas soumise. Oui. Alors tu as lu seulement un verset. Donc il faut qu'on prenne quand même les autres versets. N'est-ce pas vrai? Ok. Ah, verset maintenant 25 qui nous dit. D'abord verset, vous avez dit, donc femme, chacune soit soumise à Dieu. Donc verset 24, on dit. Or, de même qu'écrit que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toute chose. Amen. Ok, amen, non? Amen. Amen, non? Amen. J'ai pas entendu les frères. Amen. J'ai entendu les frères. Hein? C'est pas vrai? Bon, maintenant, on continue de verser. Parce que souvent, on s'arrête là, on est tellement heureux, on sort, on dit, mais tu as entendu, hein? Comme on a dit, tu dois être soumise aujourd'hui. Donc la Bible dit, quand tu es une fille de Dieu, tu dois être soumise à moi. Mais là, dis-moi, maintenant, prenons le verset suivant. Amen. Est-ce que le verset suivant dit Marie. Ah. Amen. Marie. Que chacun aime sa femme. Alléluia. Dieu est bon, mon frère. Amen. Notre Dieu est un Dieu d'équilibre. Amen. Et nous devons, frère, nous devons prendre toute la parole entière. Amen. Écoutez bien, il dit, mais Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Amen. Et s'est livré lui-même pour elle. Amen. Donc l'homme doit se livrer pour sa femme. Amen. Ça, on n'aime pas beaucoup, mais c'est la Bible, frère. Amen. 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 Ah, et je n'arrive plus à la supporter parce qu'elle n'est pas soumise. Mais qu'est-ce que toi tu as fait pour qu'elle soit là? Amen. Amen. C'est la Bible. Amen. Si nous aimons Dieu, on doit aimer toute la parole de Dieu. Oui. On dit Alléluia, on soit avec lui, mais Seigneur, oh, je ne voyais pas, maintenant je vois. Oui, monsieur, Amen. On doit voir bien. Marie, aimer que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Amen. Et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant, en la lavant par le de la parole. Pour faire quoi? Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni rien, ni semblable, mais sainte et irréprochable. Toi et moi, nous étions quoi? Nous n'étions pas soumis à Christ. Non. Nous vivons comme il a fait tout, effectivement. Il continue à le faire aujourd'hui. Amen. Il ne m'a pas mis à la porte, il est toujours là. Amen. Amen. Le but, c'est quoi? Amen. Ce que nous puissions être transformés à son image. Amen. Je disais à mon frère Mario, je dis, mon précieux frère, ne frappe pas, j'ai pas dit qu'il a frappé. Ne frappe pas Maïté, monsieur. Parce que si aujourd'hui Maïté va dans la cuisine et te fait un peu de pâtes comme ça, ta main, tu dis, mais qu'est-ce que c'est que cette pâte? Parce que moi, je n'aime pas manger ces pâtes-là comme ça. Tu dis, mais pourquoi? Parce que, elle dit, maman, parce qu'il dit, mais toi, depuis ton enfance,
Les goûts de pasta que tu as viennent de maman. Parce que maman, quand il te fait des pastas. C'est pour ça, quand tu regardes les pastas de Maïté, tu dis, mais c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Mais Maïté, les pastas qu'elle a mangées, ça vient de sa maman aussi. Amen. Tu ne veux pas comprendre, je reviens. Tu ne prépares toujours pas comme je veux. Quel genre de femme? Mais c'est normal, monsieur. Et Maïté te prépare le pasta selon la main de sa maman. Amen. Toi, la langue que tu as le goût de pasta selon la langue, la cuisine de maman. Mm. Alors, si tu es Maïté, tu dis, non, ma chérie, assieds-toi deux minutes. J'aime tes pastas. Mais je voudrais que le pasta que tu fasses, c'est comme ma maman. Elle prend un peu la bolognaise. Je peux te prendre avec la mozzarella. Oui, mon frère, tu dis, quand tu dis ça à Maïté, Maïté, comme il t'aime, mais il va être enseigné. Oh, donc maman fait comme ça. Et comme Maïté, il doit garder, comme elle est finie, fille d'abord, elle aimera aussi sa belle-mère comme sa maman. Amen. Il dit, oh, maman, j'ai besoin de toi. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Parce qu'elle devient la fille de la soeur Maria. Il dit, qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Il dit, maman, j'arrive. Pourquoi? Parce qu'à la maison, j'ai besoin de ta main. Montre-moi comment tu faisais les pastas là. Frère et soeur, il faut qu'il y ait l'harmonie. Regardez, Ruth avec Naomi. Il faut voir la guerre entre la belle-mère et la belle-fille. Non, monsieur, il faut qu'il y ait l'amour.